Il est en vacances, le garçon qui fait les abs gym. Tu sens. C'est la musique de l'été, ça. Oh là là. Oh, amigo. Ça va? Ça va et toi? Ça va, hein? Bien. Bien ou quoi? Bien. Yes. Je ne passe pas sur les claquettes. Tout de bon. Bonjour. Je suis même en avance, hein. 9h37. Alors c'était à 9h45. T'as le bronzage? Ouais, t'es allé où? Hein? T'es allé où? Je suis allé Sardaigne en famille, Strasbourg parce qu'il fallait voir toute la famille. Et après je suis allé à en Corse. Donc c'est à Strasbourg que t'as le plus bronzé, quoi. Ouais, moins 15 degrés, il faisait là-bas. Bon, bah écoutez, on est ravis aujourd'hui d'être là avec vous et puis de vous présenter donc le nouvel entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple niçois? Votre arrivée, elle est très attendue. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Dans le choix aussi, mon arrivée ici, je connais cette ferveur des supporters niçois, cette fougue que peut dégager ces supporters. Ils sont évidemment en attente, ils ont eu peut-être un peu de la frustration la saison dernière, en plus avec le Covid, ne pas être au stade. Je vais tout simplement leur dire que je suis très heureux, très fier et très impatient de les rencontrer. On va faire en sorte, et je vais faire en sorte que notre équipe, que leur équipe s'exprime avec beaucoup, beaucoup d'énergie, avec au moins autant d'énergie que ce qu'eux peuvent dégager quand vous venez jouer ici. On doit créer une équipe. Parce que rien ne peut être au-dessus de l'équipe. Ce n'est pas les joueurs à fort potentiel qui vous font gagner, c'est toujours une équipe. Et c'est là-dessus que l'on va beaucoup, beaucoup insister. À la fois dans la préparation, mais tout au long de la saison et des saisons à venir. Bon, ça va? Bah, parfait. Je suis très content d'être là. C'était un plaisir. C'est vrai? Ouais, avec la conférence, tout ça. J'avais vu à vide, du coup. Parfait, mais... bah, vous avez le coach qui est là. D'accord. Pour la photo. Allez, merci à vous. Bientôt. Merci. Bonjour. Alors voilà. Bonjour, enchanté. Enchanté. Vous êtes le vainqueur? Apparemment, on m'a dit ça, on m'a prévenu il y a quelques heures. C'est. En tout cas, très content que vous soyez là. On a hâte de retourner au stade, de pouvoir un peu. Ah ouais, on peut revivre ça aussi. Ouais, partager un peu les émotions quand même. Exactement, parce que c'est très important. Bah ouais, c'est. Dans ce stade-là, on peut en trouver des émotions. Avec vous, on peut en trouver. Ne prends pas en photo en train de faire un truc avec des Suisses, là, je vais passer pour un traître à la nation. Voilà. Le seul homme qui est heureux aujourd'hui. Comment on peut pas être heureux après un soir comme hier? C'était magnifique. Je vais le faire devenir Suisse. Il va devenir le Suisse lui aussi. Tu vas prendre du chocolat aussi. Qu'il impose aux joueurs. On a décidé ce matin de le faire aussi pour l'administratif. Tous les matins, 9h, 9h, 9h30, sur le terrain, footing, quelques exercices, et après vous allez vous bosser tranquille. C'est ça, non? Soyez sûr d'une chose, c'est que je suis vraiment très, très heureux d'être parmi vous, et finalement d'être nous. Et la priorité, c'est l'équipe. Mais pour que l'équipe marche, pour que l'équipe marche, il y a ceux qui sont derrière et ceux qui sont dans l'ombre. Et vous faites partie souvent, pas souvent, même très souvent,
de ces gens qui font que le club doit fonctionner dans tous les domaines de compétences, dans tous les secteurs d'activité. Et croyez-moi, vous aurez toujours ma grande considération et ma reconnaissance par rapport à cela, parce que c'est jamais évident. Heureuse, vraiment ravie d'avoir l'équipe qui revienne un peu et qu'on soit là, présent, aller voir un petit peu. Bon, mais en plus, on a le nouvel entraîneur, donc on veut voir aussi comment ça se passe. Hier, on a vu la conférence sur Internet et on s'est dit, ah ça y est, enfin, il est avec les couleurs de l'OGC Nice. Donc c'est pour ça, moi, je viens d'emménager récemment là, dans le coin. J'ai dit, faut que je vienne au premier entraînement public. Tu reviens pour les supporters. Parce qu'on est liés, tu vois, c'est pour ça, il y a une connexion. C'est un plaisir de les voir, comme l'année dernière, on les a pas vus, donc c'est top. Ça fait plaisir qu'ils soient. On va passer un bon moment. On commence avec Maurice d'Italien à l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est avec mon mobilité depuis les rues d'Italia. Attention, maintenant derrière. Jesse, Dante, Jesse, venez quoi, ouais, intérieur, ressort, ça vient, ouais, mon gars, ressort, mon gars, ressort, viens Dante, Dante, c'est pour toi, toi tu construis, Dante, ouais. Ah, excusez-moi, j'avais pas vu, c'est une vidéo. Ah, ça va. Lâche un petit mot. Ah, bah enfin. Il est de retour, mon gars, mon frérot de ouf, Minax. On a toujours suivi, on a toujours quand même été là malgré tout chez nous pour les supporter. Mais c'était vraiment bon. Là, on est contente, on espère tourner enfin une page et de revenir enfin dans les stades. Voilà, je suis déjà abonnée. Hein. Première interview. C'est ça. Premières impressions. Comment tu te sens? Un peu stressé, mais je pense avec les questions, je vais me lâcher. Pendant un an, je suis parti en Suisse, j'ai fait mon année à Lausanne et je reviens ici. Je suis très heureux de revenir dans ce grand club. C'était ma première année en professionnel, donc j'avais pas mal de choses à apprendre. Et j'en ai encore beaucoup, mais ça m'a permis d'avoir des minutes, d'être dans un effectif et d'être important pour un effectif. Du coup, forcément, on a un rôle à jouer. Et donc, c'était des matchs avec un peu plus de pression. Ça a été bien parce que j'étais à Lausanne, mais j'avais aussi des liens ici, surtout notamment avec Fred Joria, qu'on avait régulièrement au téléphone et qui s'est même déplacé en Suisse pour venir nous voir. Donc, ça permettait de garder cette proximité avec le club. Le plus important avant d'être bon, c'est de mouiller le maillot, c'est vraiment de laisser ses tripes sur le terrain. Et je pense que c'est ça que les supporters veulent voir. C'est un joueur qui donne tout pour le club, pour ses supporters. Et donc forcément, après, bah, si techniquement et tactiquement on est bon, derrière ça fait de belles choses. Mais je pense de mouiller le maillot et de faire un maximum d'efforts pour aider ses coéquipiers, je pense que c'est déjà la plus belle des choses. Sachez que je suis très heureux d'être ici. J'ai hâte de vous retrouver au stade. Et voilà, sachez que je vais mouiller le maillot pour vous et vous pouvez compter sur moi. Ça va? Ça va? Ça va bien? Et toi? Ça va? Toi, tu vas bien, toi? Ça va? T'es où pas? C'est ça! Jouez! Calme! On est tout ça! Jouez! Bien joué ça! Sors de là! Par là! Sors de là! Je remercie toujours, très sûr.
Sortez. On est plus. Vous êtes pas venu voir. Un sur les vides. Ça vite à la perte ce ballon pour pouvoir travailler dans le camp adverse. Ah, bien joué Ndoye qui décroche pour Tom Louchet. Accélération de Louchet. Les joueurs ont été quand même très réceptifs et ont adhéré à ce que j'avais demandé de voir sur ce match-là, tous les principes qu'on a commencé un peu à développer. C'était assez intéressant, évidemment qu'il y a beaucoup d'imperfections, mais il y avait déjà de la générosité, il y avait de l'application, il y avait de la détermination. Pelmar, on voit l'Esmelou là qui le fait, le bon appel en profondeur, qui est servi par Andy Pelmar, en superbe contrôle de l'Esmelou. C'est bien vu, excellent. Qui sert en retrait d'Acuna pour Ndoye. Ça passe à côté là. Il faut qu'il y ait beaucoup d'enthousiasme, de liberté et beaucoup d'expression dans le jeu et non pas avoir de la crispation, mais c'était peut-être un peu normal. C'est comme à la rentrée des classes, vous savez, au départ on est toujours un peu tendu et après on commence à prendre ses marques et à se lâcher. Là on est sur une phase très intéressante. Oui, ça fait une bonne dizaine de minutes maintenant. Il faut le jouer d'Acuna. Ouais. Ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Citez-moi à tour de rôle et sans donner les mêmes réponses qu'un maximum de joueurs de l'équipe du Danemark. Begin. Kasper Dolberg. Youssouf Poulsen. 10 secondes, hein. 10 secondes. T'es en fou, c'est toi. 10 secondes. Il est pas normal. Hey, he's not normal. 10. 9. Let me play. Non. 8. Attends, Dan. 7. Non. 6. Bon, let me concentrate, please. Mais, I concentrate, just I count. 5. 4. 3. 2. 1. Vamos! I win. C'est bon, j'ai gagné. Moi, je suis un supporter de Nice, regardez, ça, j'ai la tête de mort. Il y a 3-4 ans, j'ai fait un reportage sur moi, Théo, le gamin de la Brigatude, donc si vous voulez voir, c'est sur Google. Allez, mon petit, allez. Quel âge, toi? J'ai 11 ans. Allez, mon petit, allez, mon petit, allez, mon petit, il a 11 ans, là. Voici ma chambre de le gym. Ça, c'est le maillot de l'ancien gardien du gym, Didier Digard, l'ancien milieu. Le maillot, je vais dormir avec. Ah ouais, tu sais, je vais le mettre sur moi, je vais dormir avec. Tu veux dormir avec? Et comment? Bien sûr. Merci. Allez, mon petit, allez. Oh, t'es un monstre. Ouais, franchement, dédicace aux abjim et puis je vous embrasse. Hein. Merci. On peut pas la faire tomber. Oh, ha. Ok, ok. Ok, les gars. Bien joué, les gars. Oh, la poitrine! Oh non! Fils, votre attention! Voilà! On a bien passé les vacances, maintenant se concentrer sur notre objectif. Keeping, talon! La reprise c'est un peu dur mais ça va, on s'adapte, tu connais Annie, c'est fait chaud, c'est beau. On a l'habitude, on fait ça comme échauffement, tu vois. On a quand même deux jeunes joueurs qui viennent d'avoir le bac, on va leur remettre un maillot. Tom. 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 Tom.
Bon ben, merci pour ce maillot, je suis très content d'être ici parmi vous et j'espère qu'on va passer une bonne saison et merci à tous. Merci à tous aussi, hein. Ça fait plaisir et bonne saison à tous aussi. Et un peu plus quand même, s'il vous plaît. Peut-être chose à dire, je suis ici pour entraîner avec les pros, je suis content. Tu pourrais messier au coach. Je suis ici pour prendre ta place à toi. Ça, si, c'est normal. Ah, bravo à toi. C'est Sivelli, Franchement, moi, j'ai qu'une image en tête. Bon, j'étais petit là, j'ai 17 ans. Hein. Je me rappelle pas trop de tout. Mais j'ai vu des buts de lui de la tête qui étaient monstrueux, quoi. C'était un grand au Stade du Ré, ça faisait plaisir de venir le voir, ça a été un grand joueur pour nous. Le premier mot qui me vient dans la tête quand j'entends Renato Sivelli, c'est guerrier. Voilà. Je revois encore ses matchs, il marquait des buts en plus, c'est un buteur aussi, parce qu'il avait marqué pas mal de buts avec nous. Dans le maillot et dans le cœur, un vrai niçois, c'était un combattant, voilà. Les hommes comme on aime. Ouais. Moi ça va, il a pas connu le front contre toi. Hein. Ouais. Un peu, ouais. Parce qu'il est l'argent aujourd'hui. Hein. Ouais. En place. J'ai reçu un coup de fil jeudi pour me dire qu'on a été tiré au sort en tant qu'abonné pour assister au match qui était à huis clos en temps normal. Bon, on est super content. Hein. Ça fait plaisir d'être proche puis en même temps de voir le centre de formation. Ça va, toi? C'est particulier de retrouver le club où on a grandi, où on a passé presque quasiment la totalité de sa vie jusqu'à maintenant. Donc ouais, ça a une saveur particulière et très heureux de retrouver Nice, même si c'était des adversaires aujourd'hui. Mais j'ai pris vachement de plaisir et c'était super cool de voir les anciens. Je suis en train de faire ma place petit à petit. Et on a un super groupe et le club de Lausanne me fait entièrement confiance, donc c'est cool de savoir important, quoi. Un petit mot aussi pour les supporters, je sais que maintenant ils vont pouvoir retrouver le stade et je pense que ça va faire du bruit. Nice a une place importante dans mon cœur, c'est ma ville, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai fait mes premiers pas, c'est là où j'ai commencé à jouer au football, donc je les suivrai toujours, c'est obligatoire. Il a perdu, il a mal pris, du coup il a line, il se met un peu tout seul histoire de se soucier un peu.